Ολυμπίας. Είμαι πεκονόν λε Μπαρμπάρα. Σε να πεις μου έχει πάει το ρεβιού. Πρέπει να μουρίρ. What's up? Je suis comme content d'avoir le costume pis tout. Ça fait longtemps disons, que j'ai jasé à la caméra avec le costume. D'habitude, mes affaires, je dis rien. Là, je parle trop. What's up, Moss? Wow. Moss. Comment décrire Moss? Ben, Moss, c'est un platformer 3D. Tout ce qu'il y a de plus classique qu'on a déjà connu plein de fois. Qu'est-ce qu'on fait dans Moss? On joue Quill. On joue une petite souris qui s'appelle Quill qui a trouvé une relique épique faite de verre. Et cette relique de verre servira à tuer le méchant serpent Schlabafnafrog. Le serpent Sarfog. Sarfag. Sarfog. Flagogs. Sarfog. Bargold. Sarfog. Gourngas. Sarfog. Snarfog. Sarfog. Un de ces 25-là, on va essayer de couper comme du monde. Un méchant serpent qui a l'air d'avoir pris la contrée, là, t'sais, le royaume dans son règne maléfique. La garde royale se battit avec courage, mais très vite, la malédiction arcane prit le dessus du château. Toutes les salles furent vidées, chaque statue, tapisserie et parure ensorcelées. Mais la relique de verre ne put être trouvée. Et l'oncle de notre petite aventurière Quill se fait kidnapper par le serpent et elle doit donc aller le secourir dans le château. Elle sera aidée par deux personnes, une incarnée par nous qui sommes le lecteur. Sans savoir pourquoi, Quill ne se sentait pas blessé par la présence de cet être silencieux qui la regardait d'en haut. Oh non, la cloche du village! On est aussi aidé d'un petit ange, d'un petit étoilé qu'elle appelle en français un Starlight, je pense. Et je me souviens plus de son prénom. Il dit en plus, je m'appelle pas l'étoilé, appelle-moi... Appelle-moi Arkavdjouj-Dibou. Arrête de m'appeler l'étoilée maintenant, petite. Mon nom, c'est Adérine. Adnerfrin. Adérine. Frigadjing. Adérine. Shloubadam. Adérine. Appelle-moi Slibadawi. Adérine. Donc, avec nous et le petit, on se promène et on doit aider... Quill, avec notre contrôleur, avec la manette, on contrôle Quill, et elle doit se promener et résoudre des puzzles. On va y aller avec le positif. C'est tellement beau. C'est un de ces jeux de VR que je peux voir quand je fais le montage, puis quand je regarde les séquences, ça n'a pas l'air si beau que ça à l'écran quand on le regarde, mais je vous jure, quand vous avez le casque sur la tête, les décors sont extrêmement beaux, la perspective est vraiment belle. Quill est tellement adorable comme petit personnage, je vous jure. Vous le verrez peut-être pas sur le montage, là, mais j'ai poussé des cris aigus comme une vraie petite, barbarette. Puis vraiment, là, c'est tellement cute, et tellement adorable avec ses petites pattes, ses petits foulards, sa petite épée! Elle a une toute petite épée, là, comme ça, puis là, yeah.
Ah! 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 Mon cœur de barbare a fondu. Positif, la musique est de toute beauté. Encore une fois, on dirait des... C'est une création orchestrale là, comme ça, c'est vraiment le fun. Je vais probablement downloader la trame sonore et l'utiliser dans mes courts-métrages. Dans le positif, l'immersion est vraiment positive dans le sens qu'on est, on ne déplace pas la caméra, nous on est comme stationnaire, on voit une scène devant nous et Moss se promène, floup, là, elle saute des plateformes et nous on la contrôle, elle doit activer, nous on doit activer mettons un levier ou faire lever une chose pour qu'elle puisse passer pour pouvoir sauter. Donc dans l'immersion, dans le positif, il y a ça. C'est beau, la musique est belle, Quill est super le fun. Les décors sont très très corrects, très très beaux. Il y a des différences quand même visuelles dans les environnements comme au coup d'œil, ça c'est le fun. Sinon de positif, les contrôles sont très corrects, très corrects. J'ai rien à dire contre le contrôle. Maintenant, dans le négatif, rien vraiment, je vous dirais, il n'y a rien vraiment qui vient briser le jeu. Les choses que je trouve négatives, c'est un peu comme la facilité des puzzles. C'était pas très demandant, je veux dire. C'était correct, mais il y avait... C'était pas, t'sais, on n'est pas au niveau de Portal 2. Et un autre point négatif, la durée du jeu. J'ai l'impression là, que ce jeu-là est passable en 2 heures, si moins que ça, peut-être 1 heure, si tu fais tous les puzzles, là, si tu sais la solution à tous les puzzles et tu vas pas chercher les petits parchemins, si tu vas pas chercher les petits parchemins ou si tu ne t'attardes pas à casser les boîtes, c'est un genre de jeu que tu finis en 1 heure. Donc c'était bien, mais ça m'a vraiment laissé sur ma faim, comme autant au point de vue de l'histoire que du gameplay et que des puzzles. Pas que je voulais nécessairement un plus grand nombre de puzzles, mais peut-être une plus grande variété dans les puzzles. Sinon, autre point ordinaire. Ouais, non, c'est ça. Ça se répète un peu, puis c'est très court. Je vous dirais que c'est les deux seules choses qui viennent un peu entacher ce jeu-là. Parce que pour de vrai, c'est vraiment là. Écoutez, ce jeu-là m'a sorti de ma torpeur hivernale. Ma torpeur de barbare qui... c'est pas que j'ai pas acheté le jeu VR. J'ai plein de jeux VR à acheter, à faire des reviews. Mais sauf que celui-là, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de spécial par rapport à celui-là. Donc, je voulais vraiment essayer de communiquer ça. Parce que ben, si c'est juste pour le fait qu'il est très, très beau, puis que je sens qu'il y a quelque chose de particulier à ce jeu-là, et j'en veux plus des jeux comme ça. J'en veux plus des jeux où la caméra stationnaire est vraiment comme bien posée. On peut... C'était vraiment intéressant comme dynamique. Et là, c'est... C'est un exemple de jeu très bien exécuté, mais selon moi, qui pas assez long. Et puis, oubliez pas, longue vie à Chrome. Chrome!